L'amour est dans le pré continue de rencontrer un franc succès. L'émission, présentée par Karine Le Marchand, propose à des agriculteurs célibataires de rencontrer le grand amour. Grâce au programme de M6, des personnes peuvent leur écrire, peut-être les rencontrer, et même tenter de vivre un bout de chemin ensemble. Comme chaque semaine, les fidèles de l'amour et dans le pré ont suivi les aventures des agriculteurs ce lundi 9 octobre. Certains candidats sont déjà sous le charme de leur prétendante. Si y est-il à cas de Jean-Paul? En effet, le céréalier de 62 ans a craqué pour Maria. Il faut dire que cette dernière est très attentionnée avec lui. Après lui avoir offert une après-midi de massage, elle semble prendre soin de lui. Ce qui n'est pas pour déplaire au sexagénaire. Alors lorsque cette dernière a décidé de rester un peu plus à la ferme et lui demande l'autorisation, Jean-Paul est fou de joie. Il lui lance même quelques mots d'amour dans la foulée. Mais dans le prochain épisode qui sera diffusé la semaine prochaine sur M6 et qui est déjà disponible sur 6 Play Max, les choses s'enveniment entre Jean-Paul et Maria. En effet, dans cette séquence déroutante, les téléspectateurs vont découvrir que Jean-Paul a fait le trajet pour retrouver Maria dans la Meuse afin de passer quelques jours avec elle. Le clash inattendu entre Jean-Paul et Maria pour l'occasion, les tourtereaux ont décidé de partir se balader mais l'ambiance n'est pas joviale comme d'habitude. Très agacée, Maria lâche à Jean-Paul, « Attention à ce que tu dis. On aurait été chez toi, je me cassais. » Ce à quoi l'agriculteur répond, visiblement très vexé, « Si tu veux, on arrête là, et je m'en vais chez moi. » Si tu veux, a conclu Maria pas impressionnée. S'agit-il de là une première dispute d'amoureux entre Jean-Paul et Maria? Vont-ils parvenir à se réconcilier? Il faudra attendre la semaine prochaine pour en savoir plus. Affaire à suivre. Just